Salut la famille, salut la team. On espère que vous allez bien. On espère que vous avez bien passé votre week-end. Et puis, on espère que vous avez commencé bien votre semaine. En tout cas, on est là pour vous. Soyez aussi ici pour nous, comme nous sommes là pour les uns et pour les autres. Waouh! On vous salue, même si vous n'êtes pas de house, vous n'êtes pas l'un ou l'une des abonnés de l'autre stress, on vous salue quand même. Ici, on est gentil, on est très, très, très gentil. On vous salue là où vous êtes. Donc, si vous nous suivez à ce moment et que vous n'êtes pas encore abonné chez l'autre stress, vous n'êtes pas de house, la porte est ouverte pour vous. Faites-vous abonner d'abord. Cette histoire d'aujourd'hui, waouh, c'était une surprise dans les lives de Kim. Alors, il faut d'abord vous faire abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, car nos histoires sont waouh. Et puis, commentez la page gentiment. Elliot Stress efface les commentaires. Tous les commentaires méchants, on efface ça. Notre histoire d'aujourd'hui, c'était une surprise, Vena Dantala. Comme vous le savez, nos stars de notre nouvelle lance des lives. Donc, qui mettait sur live, il y avait même des questions justement au début de notre vidéo. Vous allez écouter les questions que les gens posaient à Kim. Waouh! Kim nous a révélé que elle ne peut plus afficher beaucoup sur son live. Donc, elle ne peut plus beaucoup nous montrer. Et on ne sait pas si aussi elle cache une relation amoureuse. Parce qu'elle a bien dit qu'elle ne peut plus beaucoup afficher. Donc, Kim veut sa vie privée, que ça reste privé. Vous les Dongolomis là, vous allez lire l'heure. On vous signale, vous allez lire l'heure. Donc, Antala est montée. Vous connaissez Antala. Et il y a la vidéo ici chez l'autre stress qui parle aussi d'Antala. Il y a quelques vidéos, oui, parce que c'est aussi l'un de nos acteurs de notre nouvelle Asia. Vous allez voir Antala. Et puis, il y a une vidéo qu'on avait dit concernant Antala qui, non, Antala, c'est une hypocrite. Il part chez Axel, il rentre ici, etc. Et, tout et, tout. Et puis, on avait donné le conseil que Antala est libre aussi d'aller chez Axel. Car Antala n'a pas un problème avec Axel, n'a pas aussi un problème avec Kim. Et il a fait une surprise, nice one à Kim. Comme vous le connaissez bien, il est un peu humoriste. Et l'homme le plus dragué, mais qui n'a jamais accepté. Voilà. C'est une toute petite vidéo là qu'on va vous mettre de Kim. Et puis, Antala lui-même a posé la question, si Kim est là-bas en France et son papa est rentré à Côte d'Ivoire, comment elle se sent? Vous allez écouter. Ah, Kim, elle manque la Côte d'Ivoire. Et puis, elle nous signale qu'elle va rentrer bientôt. Elle va revenir en Côte d'Ivoire. Car, on dit en anglais, she's not in her shoe. Donc, elle n'est pas... Vous connaissez quand vous êtes à la maison, là, vous sentez... Oui, oui, oui. Mais quand vous n'êtes pas à la maison, vous êtes chez les voisins. Vous vous sentez encore différemment. Donc, elle va nous expliquer tout. Et après, ils ont joué un match, comme vous connaissez. Comme vous connaissez, là, ils ont joué un match. Et vous savez même, de vous-même, avant même de regarder la vidéo, vous savez qui avait gagné. Qui a gagné. Voilà. On va plus tarder. On a beaucoup parlé sur la vidéo. On va vous finir le goût. Le goût de regarder la vidéo. Alors, passons justement à la vidéo. C'est une toute petite vidéo. Passons directement à la vidéo. Suivez la vidéo. On va suivre la vidéo tous ensemble. Donc, moi, je serai là, mais je ne serai pas vraiment là. Mais on va suivre la vidéo là. Moi aussi, je suis. Donc, suivons tous la vidéo. On est en train de voir et tout. Même pour le moment, je ne peux pas faire trop... Genre, je ne peux pas montrer trop de choses en live même. C'est-à-dire un petit truc net
c'est mort en fait. Donc voilà. Tu as fini les études? Non, j'ai pas fini, mais actuellement je suis en vacances jusqu'en janvier. Voilà, je suis en vacances jusqu'en janvier et tout. Allez quoi ma petite, ça va ou oh, ça va? Et actuellement on va faire quelques matchs. On va faire quelques matchs et tout. Je sais. Coucou Antala. Antala, qu'est-ce qu'il y a? Et attends, je goûte. Qu'est-ce qu'il y a, Antala? Bonsoir. Bonsoir, je... Ça va? Oui, ça va, Antala. Mais c'est quoi ce silence? Il faut parler. Hein? Il fait. Antala. Aïe, tu as fait non. Tu as fait comme mais non, tu as fait là. Moi, qu'est-ce que. Moi, ici, au loin, ici, je fais quoi? Donc, si tu étais au prêt, tu allais me faire manger. C'est pas ce que j'ai dit, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Comment ça va? Et je vais me tatouer ton nom. Et voilà. Tu veux quelques matchs? Hein? Dis, dis-moi, tu veux que je t'humilie? Ne me dis pas, tu veux que tu aies quelques matchs? qui va humilier? Qui va humilier qui? Qui m'humilie, non? Qui, moi? Qui, mais papa est en Côte d'Ivoire, non? Oui, papa est en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu es en France, là-bas, tu es avec lui. Ah, je suis avec mes frères. Aïe. Quand t'as là, pardon, hein, pardon. Qu'est-ce que tu as en fait? La team, on se prépare, on s'échauffe la team, on s'échauffe. Qu'est-ce que tu as? On fait match à Gaza. Toi en fait, c'est ma bouche que tu cherches. Sinon, je sais pas. On y va la team, on tapote au maximum, on tapote. Quand ici en France, ici, bizarrement, ils me sentent pas dans mon élément d'air. Je me sens pas dans mon élément même. Heureusement que je reviens en Côte d'Ivoire. Voilà, bon retour sur notre chaîne Elliot 13. Vous avez bien suivi la vidéo, vous avez bien écouté le réponse de Kim concernant, on dit ça en anglais, privacy, sa vie privée. Elle ne veut plus beaucoup afficher, oh! Elle ne veut plus beaucoup afficher. Donc, il faut vraiment louper pour voir what's going on. Vous avez bien écouté. Comme elle se sent quand elle est là-bas et être en Côte d'Ivoire. Donc, on dit en anglais, home sweet home. Elle veut rentrer. Et Antala avait raison, comme il avait dit que... Kim va l'humilier parce qu'il savait bien qu'il va perdre. Mais quand même, amicalement, gentiment, il s'est laissé jouer au jeu. Malgré tout, il savait qu'il va perdre. Malgré tout, il savait tout que Kim va l'humilier. Ce n'est pas vraiment une humiliation pour moi. Bon, it's for fun. Donc, c'est pour seulement jouer, vous savez. Mais quand même, lui-même, il savait que non. Kim va lui gagner. Mais aussi, à la fin, vous avez vu comme Kim... Kim l'a gagné et voilà. Nous, on est basé surtout sur la vie privée de Kim. On avait dit, on dit bien. Ce sont les acteurs de notre novelas. We catch them on social media. C'est là qu'on leur voit. La vie privée d'Axel, Elios 13 ne sait pas. La vie privée de Kimi, Elios 13 ne sait pas. La vie privée du général, privée là, parce que nous, on ne reste pas dans la même maison. Même s'il y a même des gens qui restent dans la même maison, mais il y a des autres des histoires qui se passent que celui-là ne sait pas à cause de celui-là. Hein?
c'est toujours comme ça. Alors, à plus forte raison que nous, qui ne sont même pas vus dans nos vies, nous connaissons leur vie. On ne peut pas vous mentir, on ne connaît pas leur vie privée. Alors, on ne peut pas prendre des parts, on ne peut pas juger au loin. En anglais, on dit « Do not judge the book by its cover ». Donc, on ne peut pas faire ça. C'est pour cela ici, chez Love Stress, on ne prend pas de part. Vraiment, on ne prend pas de part. Car on ne les connaît pas intimement. Donc, ce qu'on dit, ils ne savent vraiment, vraiment. On leur poste selon leurs actions. On leur poste selon la vie qu'ils nous affichent dans les médias. Alors, ça sera bien aussi, vous les fans, là où vous êtes, en tout cas, avant de juger, avant de dire quoi que ce soit, c'est nos acteurs de notre novela. Vraiment, il faut tourner la langue cette fois. Il faut bien raisonner. On dit ici, on commente gentiment. Pourquoi? On ne veut pas des injures. Car vous n'avez jamais vu Hello Stress injurier l'un de nos acteurs ou dire mal. Même dans des commentaires, vous pouvez fouiller, vous allez voir qu'on ne dit pas mal. Pourquoi? Parce qu'on est, on n'est pas en intimité, vraiment, vraiment, dans leur vie privée. On ne connaît pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jettent des pierres sur Axel, disant Axel, ceci, c'est là, manipuler Kimi et tout, et tout, et tout, et tout. Oui, on peut dire ça, mais on ne connaît pas réellement qu'est-ce qui s'est passé dans la profondeur de cette histoire. Alors, il faut réfléchir. Il faut vraiment réfléchir avant de dire quelque chose, avant de parler. Souvent aussi, on voit aussi, dans d'autres cas, c'est la victime qui provoque la guerre. Mais comme c'était la victime, vous allez voir même que tous les gens auront pitié de la personne alors qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne dit pas que Kim joue de la victime. Non, on n'a pas dit ça. On donne seulement des exemples que non. Dans d'autres cas, ça se passe comme ça. Alors, quand vous et moi, on ne connaissait même pas, on n'a jamais d'autres entre nous, on n'a jamais rencontré Axel sur live. Vous avez écouté même le général aussi dans une vidéo, il a dit que il crie beaucoup quand il est sur l'écran, il est devant l'écran, il crie beaucoup l'injurie. Mais quand vous le racontez comme ça sur live, comme ça, vous le racontez face to face comme ça, c'est une autre personne. Donc, c'est une autre personne. Il est très gentil. Il est doux. Ouais, c'est comme ça. C'est pour cela qu'on vous dit gentiment de ne pas dire n'importe quoi sur nos acteurs de notre nouvelle. Car nous tous, on les voit. We catch them dans les réseaux sociaux, dans les médias. Personne n'a passé une journée avec Axel. Personne n'a passé une journée avec Kim. Personne n'a passé une journée avec Lolo Beauté et toutes les acteurs de notre nouvelle. Pour venir dire n'importe quoi. Non. Alors, on vous conseille, c'est pour cela ici, on dit que non, on commente gentiment, car on ne connaît pas leur vie. Faut pas insulter nos acteurs de notre nouvelle à nos abonnés, vraiment. Faut pas insulter, faut seulement commenter. On laisse le comment section pour le commentaire, pour le conseil, pour les avis, et non pour les insultes. Et non pour nous insulter. Et non pour insulter nos acteurs. C'est pour cela qu'on laisse les commentaires. C'est pour cela qu'Hello Stress efface les commentaires méchants et les commentaires qui insultent n'importe qui. On est très careful avec ça de regarder les commentaires. Après chaque heure, on fait notre effort pour regarder les commentaires. Pour ne pas blesser quelqu'un. Pour ne pas blesser nos acteurs. Les acteurs là que vous voyez, nos acteurs de novelas là, vous voyez, ils sont beaucoup de comptes. Peut-être certains d'entre eux, ils sont ici dans nos commentaires. Vous voyez, la team de Kim est ici dans les commentaires. La team d'Axel est ici dans les commentaires. Et les abonnés de l'autre très simple sont ici aussi dans les commentaires. Les abonnés sont même, ils sont même abonnés à l'autre 13. La team d'Axel est ici abonnée à l'autre 13. Et puis la team de Kimi aussi sont ici abonnés à l'autre 13. Alors on ne veut pas blesser quelqu'un. On ne veut pas dire des histoires que ça va blesser l'un ou les abonnés de nos acteurs. Non, c'est pour cela qu'on dit. Ici on commente gentiment. On commente gentiment. Alors... une fois encore de plus, on vous laisse les comment section de commenter gentiment aussi
à cette vidéo. Et si vous nous suivez à ce moment et que c'est votre toute première fois de tomber sur la vidéo d'Elios 13, vraiment, on est gentil. La maison est grande, notre porte est ouverte. Abonnez-vous massivement, cliquez sur la cloche des notifications, on chante ça chaque jour dans nos vidéos. Cliquez sur la cloche des notifications, aimez la page et puis surtout si vous avez aimé cette histoire, partagez au maximum, partagez pour que les autres sachent what's going on, qu'est-ce qu'il y a sous la toit. Et voilà, c'est ce qu'on avait à partager avec vous à ce moment, ce n'est que ça. On vous laisse, donc be blessed. On se retrouve à la prochaine épisode. À nos abonnés, on vous fait toujours bisous, bisous. Là où vous êtes, au travail, à la maison, n'importe où vous vous trouvez, on vous fait bisous. Vous comptez tous pour nous, nos nouveaux abonnés, nos anciens abonnés. En tout cas, notre cœur est très trop gros pour vous tous, pour vous accueillir, vous aimer de la même façon. Bisous à tous. On se retrouve à la prochaine épisode. Bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.